Ce jour-là, mon grand-père nous avait conduits, Gareth et moi, à une journée de détection, certainement notre dernière chance de devenir footballeur professionnel. Il nous prodigua de nombreux conseils pendant le trajet en voiture. Mais l'ambiance était lourde, pesante. Je m'en souviens comme si c'était hier. Gareth semblait tendu, et je l'étais encore certainement plus que lui. Mon grand-père m'avait expliqué l'importance de la personnalité dans ma carrière. Tous mes choix, toutes mes décisions influeraient sur ma carrière, sur le type de personne que les gens verraient, pas la personne que je suis, car on est jugé sur nos choix et pas sur ce que l'on est. Heureusement que mon grand-père était là. Ses nombreux conseils et sa grande expérience nous seraient d'une grande utilité. Ah, mon grand-père. J'espérais vraiment marcher dans ses pas. Ma mère, elle, était aussi présente. Malheureusement, mon père était absent et il me manquait. Mais ma mère me rappela la réalité de la chose. C'était ma journée. C'était à moi de briller. C'était mon avenir que je jouais ici. Et c'est là que je rencontrais Danny. Un salopard arrogant, toujours à se vanter et à lancer des piques. Mais c'était pas grave. Tout cela allait se régler sur le terrain. Et j'étais sûr d'être supérieur à lui. Nous venions à peine d'enfiler nos tenues que le recruteur nous réunit pour nous expliquer les enjeux de cette journée. Soit nous brillons, soit nous disparaissons. C'était notre dernière chance d'entrer dans le milieu du football professionnel. De chausser les crampons pour un grand club, faire vibrer le stade. Mon rêve. Une dernière journée pour un rêve. Il fallait que je me donne à fond. Et Gareth allait se donner avec moi. Nous devons briller. La pression était là. Et c'était très difficile de la relâcher. De nombreux recruteurs semblaient présents, de nombreux observateurs. Et pour tout dire, ça ne baissait pas la pression que nous avions sur les épaules. Je sentais leur regard sur moi, sur nous. Nous étions tous jugés aujourd'hui. C'était aujourd'hui ou jamais. Je ne savais pas à quelle sauce nous allions être mangés, ce qu'il allait falloir faire pour impressionner ces gens, quel type d'exercice nous allions pratiquer. Nous restions soudés avec Gareth. Même si c'est vrai que Danny semblait en avoir après nous. Mais bon, une bonne concurrence n'a jamais fait de mal à personne. Peu de temps après, George, le recruteur, vint me voir. Il avait une question extrêmement importante à me soumettre. Ça allait être un choix décisif pour la suite de ma carrière. Et il me demandait où je voulais me situer sur le terrain. Quel poste voulais-je occuper? Pour moi, c'était sûr. Il n'y a pas eu de réelle hésitation. Ce que je voulais être, c'était buteur. Je voulais marquer des buts. Je voulais faire vibrer le stade. Je voulais marcher sur les traces de mon grand-père. Georges le remarqua d'ailleurs. Il me souhaita bonne chance et c'était parti. On commença par une mi-temps 11 contre 11, où j'inscris très rapidement un premier but de la tête. Oh, qu'est-ce que j'étais fier! Sur une deuxième occasion, une balle en profondeur. Là, je vois un coéquipier mieux placé que moi. J'essaie de lui faire la passe, malheureusement je la rate. Il arrive à récupérer le ballon et tire, le gardien la repousse. Et là, je suis bien placé et la pousse au fond des buts vides. J'étais très fier, mais les adversaires parvinrent très rapidement à égaliser sur deux buts largement évitables. Mais disons que pour un premier match d'échauffement, je m'en étais pas trop mal tiré. À la fin du match, Gareth vient me toucher quelques mots. Quelques mots d'encouragement. Got to rub the green today. Let's hope it stays that way. Oi, it's not about luck, mate. It's about skill. Yeah? Après cela, les exercices s'enchaînèrent très vite. Il y a un exercice de frappe à la difficulté enfantine.
qui lui fut suivi d'une petite discussion avec Danny, qui se posait de plus en plus comme un simple concurrent, un petit rival. Et je trouvais que notre relation était, bien qu'inamicale, parfaitement saine. Cela me faisait même sourire. D'autres exercices suivirent forcément, un exercice technique, enfin technique. Selon eux, j'ai dû courir en ligne droite, battre un ennemi en vitesse, enfin un ennemi, un adversaire, l'adversaire du jour, en vitesse, avant de venir marquer un but dans un but vide. Ouais, rien de bien compliqué, me disais-je, mais bon, les exercices sont là, il faut les faire, il faut les pratiquer à la perfection. Je m'appliquais donc dans l'exercice de passe qui suivit, et dans le 2 contre 2 aussi, que nous avions assez largement survolé avec Walker, si je me souviens bien. Et il me semble que mes souvenirs sont très très bons. Après ces quelques performances, George vient me féliciter en personne. Il me dit même que le football, je l'avais dans le sang. Et ça, j'en étais fier. J'étais fier de ces paroles qu'il venait de prononcer. Lui qui était si proche de mon grand-père. Il me dit que j'étais fait pour le foot. Et ça, je rêvais de l'entendre. Après cela, un match 11 contre 11, de nouveau une simple mi-temps. Que malgré quelques erreurs que j'ai enchaînées au début du match, j'ai finalement réussi par marquer dans mon empreinte sur cette passe décisive. Un coéquipier bien démarqué et qui venait tromper le gardien du plat du pied. Ensuite, un coéquipier, en manque de confiance, me faisait la passe alors qu'il pouvait largement frapper et je marquais. Puis, sur un tir raté, Walker lui aussi venait inscrire un but. Match parfait, nous étions lancés. L'entraîneur vint donc nous féliciter pour ses performances du jour. Nous étions tous fiers, nous étions tous fatigués. Une dure journée qui vient de se terminer. J'ai l'impression d'avoir été largement au niveau. J'ai survolé cette journée, j'ai réussi tous les exercices, je n'ai eu que des bonnes notes. Je n'attendais qu'une chose, c'était de rentrer chez moi et de voir si ce foutu téléphone sonnait. Mais l'entraîneur nous rappelait que même si cela n'arrivait pas, il ne fallait jamais abandonner. C'était cela le football. Il ne faut jamais rien lâcher. Williams. Oh, he's got a mouth on him, hasn't he? He never shuts up. You can give it large all he wants, man. Garrett était lui aussi satisfait de cette journée. Et nous espérons tous deux que Danny soit recalé, mais enfin. C'est vrai qu'il avait été bon aussi aujourd'hui. Nous étions en route pour rejoindre ma mère et mon grand-père. Ils semblaient discuter dans la voiture lorsque je les vis au loin. Je ne sais toujours pas sur quoi portait cette conversation. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't have been traveling away to games all the time. You know, some seasons it was like 10 months of the year. You always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But Harold's injuries cut it short, it ruined him. Yeah. Stopped you from following yours, I mean, you gave up everything. And I'd do it again. You know he just wants to be you. Ce que je sais, c'est qu'ils ont arrêté de parler à notre arrivée dans la voiture. Et tous deux semblaient très contents de nous voir. Mon grand-père était content de nos performances. Et nous étions contents, et ma mère aussi. Quelle joie! Et là, un homme nous aborda. Il semblait parfaitement connaître la carrière de mon grand-père. Cela m'intriguait, j'ouvrais ma fenêtre. I used to collect football cards.
C'était un agent. Un agent s'intéressait à moi. Il était venu voir qui j'étais. Il voulait. Il était intéressé par moi, tout simplement. Les mots m'en manquent quand je me rappelle de cela. Mon avenir s'est dessiné petit à petit. J'avais le numéro d'un agent. Ma carrière semblait bien engagée.